Depuis 1992, Compétences Québec organise à tous les deux ans un événement d'envergure destiné à valoriser des milliers de jeunes qui ont choisi de se qualifier dans un métier spécialisé. Ce sont les Olympiades québécoises de la formation professionnelle et technique, une forme de Jeux olympiques de la compétence. Un événement qui interpelle plus de 150 cégeps et centres de formation professionnelle de partout au Québec. Les compétitions se déroulent devant plus de 10 000 visiteurs sur un site d'exposition transformé pour l'occasion en une immense usine multidisciplinaire. L'installation technique nécessite des centaines de milliers de dollars d'équipements spécialisés pour rendre opérationnels 250 postes de travail couvrant une trentaine de disciplines professionnelles en compétition. On aménage des ateliers pour les soudeurs, des frigoristes, des techniciennes en gestion de réseaux informatiques, des cuisiniers, des carrossiers et bien d'autres. Mais avant d'accéder à la finale québécoise, l'aventure des Olympiades débute d'abord en région. Les cégeps et centres de formation organisent des compétitions locales afin de sélectionner ceux et celles qui les représenteront. Lorsqu'ils se présentent à la finale québécoise, ces jeunes doivent rivaliser avec les champions de la Montérégie, de l'Abitibi-Témiscamingue, de l'Outaouais, de l'île de Montréal. Bref, on est en présence des meilleurs au Québec. La plupart de ces jeunes n'ont jamais participé à une compétition d'une telle envergure. Ils doivent réaliser une épreuve pratique d'une durée de 12 heures, répartie sur 2 jours. Une tâche complexe, semblable à ce qu'ils devront réussir en entreprise. Stress, sueur, larmes, les finalistes doivent surmonter tous les obstacles pour accomplir un travail exemplaire, sous l'œil aguerri des juges de l'industrie. Pour les briqueteurs, il s'agit de se conformer à un plan pour la pose de briques, tout en prenant soin de respecter les règles de santé et de sécurité. D'autres, un peu plus loin, tentent de résoudre un problème de programmation, de pneumatique ou d'hydraulique. Ce sont des spécialistes en mécanique industrielle. En soudage, ils font l'impossible pour démontrer qu'ils ont reçu une formation qui répond aux exigences techniques du métier. Esprit d'équipe, envie de réussir, motivation. Voilà un trio gagnant qui, conjugué à l'amour du travail bien fait, peut mener au podium et à l'une des traditionnelles médailles de bronze, d'argent et d'or. Peut-être pourront-ils représenter le Québec aux Olympiades canadiennes? Et qui sait, porter les couleurs du Canada au Mondial des métiers. Un événement grandiose qui rassemble les finalistes du monde entier, et ce depuis plus de 60 ans. Les Olympiades, c'est aussi le rendez-vous bisannuel des partenaires gouvernementaux, des entreprises commanditaires, des juges de l'industrie et des enseignants spécialistes de la formation professionnelle et technique. Une grande fête pour rendre hommage aux jeunes qui ont choisi de se qualifier afin d'exercer un emploi rémunérateur. Depuis plus de 20 ans, les succès remportés sur la scène canadienne et internationale mettent en lumière l'excellence de notre système de formation, le dévouement de nos enseignantes et enseignants et le rôle primordial de l'industrie dans la promotion et la valorisation des métiers spécialisés. En choisissant de relever un tel défi, nos jeunes diplômés deviennent autant de modèles de persévérance. Ils témoignent concrètement que l'effort et le savoir-faire sont les clés du succès. Avec les Olympiades de la formation professionnelle et technique, pour nos jeunes diplômés, tous les rêves sont permis.